Gormiti, le tournoi des quatre éléments. Ah, c'est inutile. Impossible de recharger la boussole. Je crois que j'ai plus assez d'énergie. Je sais ce que tu ressens. Tiens, prends un Sloogie. C'est gentil, mais ça va aller, Trek. C'est de l'énergie lumineuse qu'il me faut. Je pense que je vais aller méditer dans la forêt. Et nous alors? On t'attend? C'est nul. Vous pourriez jouer au taflu? Grande tour? Ouais! J'adore jouer au taflu! Au fait, une dernière chose. Je crois que lorsque vous appelez votre Gormiti, Voidis peut le sentir, alors évitez de l'appeler. Merci. Tu prends les pions rouges, d'accord? Non, je crois pas. Je prends toujours les rouges. Relax, Riff. C'est un jeu de bébé, de toute façon. Dans la tribu de la glace, on organise de vrais tournois. Waouh, j'adorerais participer à un tournoi. Ouais, mais on peut pas faire appel à plus d'un Gormiti à la fois. Enfin, sauf quand on se trouve dans la tour. Mais Aoki vient juste de nous dire... Aoki nous a dit qu'il ne fallait pas appeler notre Gormiti. Et on ne va pas appeler que le nôtre. Ouais, on va en appeler 4. Avec moi, Vulcan. Avec moi, Zephyr. Avec moi, Karama. Avec moi, Akilos. Pourquoi avez-vous fait appel à nous? Nous auriez-vous invoqué ici en désobéissant aux ordres de la gardienne? Et tout ça pour participer à un tournoi! Et enfin déterminer quel élément est le plus fort? Ouais. Ah! En voilà une grande idée! Akilos, je vais te réduire en glaçon! Bien sûr! T'enflamme pas, l'allumette! C'est parti! Je ressens une augmentation d'énergie dans la tour des éléments. Gred! Oui? Va tout de suite voir ce qui se passe et fais-moi un rapport au plus vite. Oui, votre seigneurie. Inspire, expire. Sens le calme de la forêt t'envahir et sens la lumière. Donc, on commence par le vent contre la glace et le feu contre la pierre. Concurrent tout puissant, une seule règle régit ce tournoi. Le premier d'entre vous qui sort du cercle est éliminé. Messieurs les élus et très chers Gormiti, dans ce coin du ring, nous avons la glace. Riff, y a pas de coin, c'est des cercles enfin. Et là, dans cet autre coin rond du ring, nous avons le vent. D'abord, nous devons nous échauffer pour éviter les blessures. 1, 2, 3, 4. Nous allons leur montrer la véritable puissance de la glace. Ici de glace. Non, loupé. Agréable cette petite brise. Non. La tribu du vent ne prend jamais rien au sérieux, on dirait. Il est temps qu'on leur montre comment prendre les choses au sérieux. Concentre-toi. On s'étire sur le côté, on descend, on remonte... Eron? Eron? Maintenant? Maintenant! Ici, de glace! Et on touche le sol! Hein? Mais qu'est-ce que... Ah!
que vous avez fait? Glace, éliminée. Quoi? Hein? Vous aviez commencé le match sans nous? Incroyable! Et le vent remporte le premier tour! Ouais! Trop facile! Ah! Non! Ouais! Wouhou! Ça doit être une sacrée partie de taf, Lu. Alors, qu'avons-nous là? Nous avons une gardienne sans pouvoir et aucun de ces maudits élus dans les alentours. J'ai hâte de voir la tête que fera Voidus quand je lui apporterai la gardienne de la tour tout à l'heure. Et après cette victoire facile du vent contre la glace... Qui ne devrait pas compter. Pour le prochain combat, la pierre affrontera le feu. La foule est en délire, ouais. C'est parti. On va la jouer réglo et y aller mollo, est-ce qu'on est bien d'accord? Ouais. Bel esprit sportif, c'est ski. Magma Ball! Hey! Mais concentre-toi! Hein? Et surtout, méfie-toi, le feu peut être trompeur! Hot Wave! Il est temps pour eux de goûter à la force du feu! Ah! Ça va être difficile de les départager. Tension, suspense, qui gagnera? Nous pouvons résister à vos attaques indéfiniment, les allumettes. La pierre résiste à tout. Il a raison, à moins que... Tu croyais que Caracle l'impassible allait se faire avoir par des dés en marbre? Franchement... Là, ça devient n'importe quoi. Mais où est-ce qu'elle est passée? Pierre, éliminé. Et donc ça fait un point pour le feu. Ce n'était pas digne d'un Gormiti, Vulcan. Faux! Un bon Gormiti doit saisir les occasions qui s'offrent à lui! Vous n'avez pas respecté les règles! Le vent et le feu sont vraiment des tricheurs! Tu disais que tu voulais avoir les pions rouges? Alors je t'ai donné les pions rouges! Et tous les autres au passage! Tu vas devoir admettre qu'on est les meilleurs! Non, nous on est les meilleurs! Ah oui! Les garçons, je croyais vous avoir dit de ne pas... Invoquer de Gormiti! Oh, salut, Aoki! Alors, cette méditation, ça a été? Tu sais, le jeu commence à devenir très intéressant. Oh oui! C'est amusant, tu vois! Chut, je dois me concentrer. Ok, alors, faites un peu moins de bruit. Pfiou, on l'a échappé belle! Il serait plus prudent d'interrompre le tournoi. Peut-être que pour vous, ce serait mieux, ouais. Oui, car vous risqueriez de vous faire mal. Non, quoi? Mais pour qui tu te prends? Je pourrais tous vous barrer. Il me faut du silence. Cette fois, je te tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Avoue-le, c'est nous qui avons gagné. Disons qu'on jouait au taflu et tout à coup... La porte était ouverte! Je me suis permis d'entrer, chère gardienne! Quoi? Et maintenant, tous contre les Darkhan! Missile de glace! Quoi? Rockway! Mais... Ultra Cyclone! Non! Magma Ball! Je reviendrai! Ouais, bien joué! Ça me rappelle le bon vieux temps. Tu vois, on se battait contre les Darkhan. Tu devrais nous faire confiance. Je vous ferai confiance quand tu m'auras expliqué ce que fait ce tableau de score sur le mur.
Hyper géant, go! Les amis, un nouveau fragment de l'Elestar vient à peine d'être détecté, dans la Terre de Glace. Nous devons donc nous y rendre, et nous devons le faire maintenant, ou les Darkhan le trouveront avant nous. Marcher jusqu'à la Terre de Glace va nous prendre des semaines, des mois! Quoi? Tu sais pas voler? Quoi? J'oublie toujours que vous n'êtes pas des êtres de lumière, alors... Attendez, laissez-moi réfléchir. Tu en es sûr? La tour dit que vous pouvez utiliser vos hypergéants à présent. Nos hypergéants? Je sais pas du tout ce que c'est, mais je suis sûr que j'en ai hyper besoin. Pyrone, Gorok, Kryos et Vrago peuvent vous transporter partout dans Gorm. Si vous voulez les faire apparaître, suffit de les invoquer avec vos bracelets. Comme ça. Avec moi, géant! Pyrone! Le dernier arrivé est un slogu tout moisi. Pour les chevaucher, vous devez établir une connexion avec vos géants. Dans la tribu de la pierre, on est doué avec les animaux. Regardez ça. Tiens, mon Gorok. Si tu me laisses monter, je te donnerai un bout de mon... Hé, j'avais faim, moi aussi. Ce sont des animaux. Si vous voulez qu'ils vous respectent, vous devez leur montrer qui commande. Ok, ok, c'est toi qui commande. Excusez-moi, monsieur le drôle de dragon. Vous pourriez vous poser ici une minute? Eh oh! Posez-vous ici, ou là, ou encore ici, ou même là. Oh, ça risque d'être plus compliqué que ce que je croyais. Hé, hey, regardez, je suis sur son dos. Aoki, ces géants, c'est vraiment pas une bonne idée. Ils nous obéissent pas? Hé, hey, c'est pas de ma faute, c'est une idée de la tour. Ouais, c'est toujours de la faute de la tour, c'est ça. C'est toi la gardienne ici, alors c'est à Chut, toi. Ne parle pas si fort, tu vas les énerver. Le calme de la terre de pierre me manque. Attendez, je crois que j'y suis. Qu'est-ce que tu fais? Les hypergéants sont censés nous aider dans notre quête, non? Alors, il suffit qu'on leur saute dessus en même temps et ils nous aideront, pas vrai? Exact. C'est logique. Peut-être. 1, 2 et 3. Allez, c'est parti! Ouais! Faites attention, ou les géants vont faire un... Hyper saut! Oui, j'ai vu, ils viennent de briser ton bouclier. Mauvaise nouvelle. Je comprends pourquoi on les appelle les hyper géants. Waouh, je pensais que la terre de glace serait, je sais pas, plus froide. Non, attendez, mais où est-ce qu'on est? Visiblement pas là où nous devrions être. Cette quiétude, ces paysages vastes. On est dans le désert de Murzuk. C'est la terre de pierre. Les gars, on est chez moi. Je crois qu'on est très très loin de ce fragment, vous savez. Bravo, toi et tes idées stupides. Hé, hey, qui a des idées stupides? Je propose des trucs, moi au moins. Quel genre de truc? Nous mener droit dans le mur? Tu fais même pas attention à ce qui t'entoure. Eh ben au moins j'ai des idées. Ouais, des idées à coucher dehors. Comment on va retourner jusqu'à la tour maintenant? J'ai eu une vision, un hyperso. Les élus font preuve d'imprudence. Ils ont laissé la grande tour sans défense. C'est une grave erreur qu'ils viennent de commettre. Ah! Ah.
Arcane, réduisez la tour des éléments en poussière. Non! Grande tour, en combien de temps peux-tu reformer ton bouclier? Oh non, c'est bien trop long! Et toi là, hors de notre chemin! Oh, c'est pas vrai! Il faut prévenir les élus sur le champ! Une idée idiote! Non, ça c'est toi qui le dis! Eh bien, je te le répète, c'était une idée idiote! Hein? Non, mais t'as fini! Maintenant que t'auras décidé ce que tu dis, au moins je reste pas les bras croisés! Redis-moi ça! T'es perdu? Trek, je croyais que t'avais dit qu'on était chez toi. Le désert de Murzuk est immense. La boussole pourra peut-être aider. Ah, ok. Oui, mais la moitié des géants se disputent et... Et l'autre moitié a l'air... perdu. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Que la moitié des géants se disputent. Oh, ils se sont arrêtés. C'est ça. À quoi est-ce que tu pensais quand tu lui as sauté sur le dos? Je pensais à combien le désert me manquait. Et nous avons atterri dans le désert. On devrait faire la course. Hé, j'avais faim moi aussi. Vous devez leur montrer qui commande. Posez-vous ici. Ou là, ou encore ici. Les gars, je crois que je viens de comprendre. Les hypergéants font ce que nous faisons. Je veux dire, ils font exactement comme nous. Tu rigoles. Je n'ai rien à voir avec cette boule de poils. Rien à voir du tout. C'est ce que voulait dire la tour quand elle parlait de connexion. Avec eux, on n'a aucune connexion à établir. On est déjà connectés. On réessaye. Tu as encore faim? Parce que moi, oui. Ouais, on ne fait qu'un. Excuse-moi, Krios. Je ne me suis même pas présenté. Mon nom est Ikor. Toi aussi t'aimes bien avoir la tête à l'envers? Ouais, on est pareil, toi et moi. J'étais surexcité, donc toi aussi tu l'étais. Désolé. T'es gentil dans le fond. Je peux monter? Waouh! C'est incroyable! Les amis, Gorm court un grand danger et nous avons besoin de vous. Ce qu'on doit faire, c'est visualiser la tour des éléments. Allez! La tour des éléments va bientôt s'effondrer. Et cette fois, les élus ne pourront pas te sauver. Tempête noire! Quoi? Salut, mon grand! On t'a manqué? Non! Trooper, concentrez vos tirs sur... En avant! Prenez-vous ça! Non! Wouh! Wouh! Regardez ça! Je vole à deux dragons! Et pas vous! Joli crochet du droit! Alors là, ils l'ont pas volé. Aujourd'hui, je m'incline, les élus. Mais vous commettrez d'autres erreurs. Et ce jour-là, je serai impitoyable. Wouhou! Stupide! Quelle idée stupide! Va savoir. Dès maintenant, nous pouvons parcourir Gorm et retrouver les fragments de l'Elestar.
Rappelez-vous simplement de faire vos hypersauts en dehors du bouclier de la tour. Eh bien, Gorm, nous voilà.